Alors, c'est parti pour le jour numéro 2 à Yosemite. Normalement, c'est le dernier jour qu'on passe dans la vallée, en fait. Elle est en train de s'habiller. Et voilà, et là, pour commencer, on va aller avec Lucie, toutes les deux, faire des courses, parce qu'on n'a rien à manger, ni pour midi, ni pour ce soir, parce qu'on va pique-niquer les deux fois. Donc voilà, il est quelle heure? Il est 8h36 et la journée démarre. Il fait beau. Ah, il fait beau? C'est vrai? Il fait pas trop trop mal. Et il y a un temps prévu comme ça toute la journée. Oh, il y a Benjamin là. Alors ça c'est le magasin. Typiquement Far West. Magnifique. On a de la chance, c'est ouvert. Il est tôt. Oh, il y a les magnets ici. Alors, voilà, on est paré. Il est mignon ce magasin. Il y a tout pour la pêche, pour le camping et tout à manger. Ouais, je pense que ça va clairement nous coûter un poumon, mais bon. De toute façon, faut bien qu'on mange, hein. Il n'y a que ça comme magasin. Banane? Pas de lard de banane. Mais il y en a plein, hein. Ouais, non. Ah, les garçons finissent de charger. Et nous, on prend les petits déj. Coucou, nous. Quita. Et oui, mange leurs petites céréales. Vous voulez un petit peu de jus d'orange? C'est mon papy, ma maman. Oui. Oui. C'est mon papy. On va manger ça. Mamie. Ça a l'air pas mauvais du tout, hein. Mange, Monster. Allez. C'est bon là? Eh, on n'est pas bien là? Il y a pire comme je dis, hein. Là, on est moins bien. Oh, on se dit qu'on part pour 2 heures de route. Chut, faut pas le dire ça. Ça va le faire. T'en veux plus? Qu'est-ce que tu veux, mon amour? Tu veux un bout de ça? C'est trop bon. Dur dur la life, hein. Allez! Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je sais pas ce qu'on fait, mais que je t'ai dit qu'elle allait toucher les fesses. Bah oui, regarde. So, il est 10h. Bon, on n'est pas trop à l'avance, mais bon, c'est pas grave. On avait 19h30, nous sommes et on va dans la vallée. On retourne dans la vallée. Oui, c'est à côté de Ticha. Et du coup, voilà, on est tous ensemble dans la même voiture. Non, mais c'est pas grave, j'ai des petites jambes. Mais pire, je les étale là. Hein. Donc voilà, et c'est Nico le pilote encore. On lui a proposé. Hein. On lui a proposé, il a voulu conduire. Attention les enfants. On s'arrête sur la route parce qu'on a vu un petit peu de neige. On va aller faire toucher la neige aux enfants. Le panorama est pas trop dégueu, hein. C'est même complètement magnifique. On va toucher la neige. Allez, zou. Maman, est-ce que ça peut faire une boule? Fais une boule si tu veux, oui. Mais c'est toi, c'est fait boule. Ah, trop froid, hein. Demande à Julien. Non. C'est un peu haut, chérie. C'est un petit peu haut, ma puce. Trop tard. Oh, vilain. Héloïse, elle fait rire ton Clément. Ah, oh, oh, c'est froid. Oh, 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 mon pauvre chouchou. Attends, je fais la figure.
espèce de camion qui verse des poissons. Il verse des poissons. Il verse des poissons. Il met des poissons dans le lac. Là, il est 13h. On arrive à Tunnel View. On va aller là-bas parce que je pense que c'est plus joli là-bas. C'est juste magnifique. Magnifique. Oh, il fait trop chaud. Il fait chaud, il fait beau, regardez. Ah, ça, c'est le ciel. Tout bleu. Ah, il y a un petit soleil là. Oh, non, mais on a un bol de fou pour le temps, quoi. Oh, c'est sublimissime. Voilà, voilà. C'est absolument à tomber. Et là-bas, il y a le Havdôme encore. Et là, il y a la cascade qu'on a fait hier. Toujours aussi jolie. C'est vraiment trop beau. C'est beau, chouchou? C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Il y a pire, hein, comme endroit. Trop beau. On est posé. On va chercher une place pour manger. On est juste à côté de là. On est super bien. Nico, il va toucher l'eau. On va avoir la tête qui fait. Est-ce que l'eau est froide ? Alors ? Lui, il est marseillais aussi. Hein. Ah, nous, on vient de la Côte d'Azur. Hein. Côte d'Azur, l'eau, elle est chaude. Hein. Quoique dans la sienne, elle n'est pas si chaude que ça. Mais viens, papa. Mais viens. Ça n'a pas l'air si chaud que ça, hein? C'est chaud ou c'est froid? Elle est comment l'eau, Lana? Elle est froide? Elle est très très froide ou elle est un petit peu froide? Elle est trop froide. Elle est trop froide? Tu veux plus aller dedans? Non? Ok Google. Vas-y Cécile, vas-y Cécile. Et moi je me suis baignée dimanche, hein. Bah, ouais. Tu peux te rebaigner aujourd'hui. Bon. Moi aussi je me suis baignée. Non, elle est un petit peu trop froide. Papa, papa il est là-bas, là. On kiffe là. Il a envie d'aller se baigner, mais je pense que c'est un peu trop froid pour lui. Nous partons découvrir Mirror Lake. Alors, on va marcher. C'est la première vraie rando qu'on va faire avec les petits bouts de choux. On a préparé le porte-bébé parce que nous, Lana, elle marche, mais pas pendant 2 ans non plus. Donc voilà. Donc voilà, ça devrait être assez joli, joli. Il fait toujours aussi beau. Sur la jolie route goudronnée, toute neuve, balisée juste pour nous. Enfin, juste pour nous. Pour les piétons, quoi. Il n'y a pas les voitures n'ont pas le droit de passer. Ah oui, il y a les vélos. Allez mon chat. T'es contente mon amour? C'est bien la montagne avec la forêt? Ça change hein? C'est toi qui as de l'eau bébé? Ouais, j'en ai plein. Qu'est-ce que vous faites? J'essaie de les sortir, c'est pas simple. Tu sais, c'est pas très très simple en fait. Regarde-les les deux là. Qu'est-ce qu'ils font du trafic de Skittles? Ah non, on s'est mis d'accord que les... C'était pour les enfants! Les Skittles pour les grands, non? Non, c'était pas ça normalement. Tu veux qu'on essaie de trouver un bâton plus grand? Oui, parce que là il est un peu court parce ton bâton. Pas facile, un bâton plus grand là, Anna. Il est où? On en cherche un. Alors on continue de marcher. Là on est sur un chemin plus goudronné, mais hyper plat, hyper pratique pour les poussettes et tout ça. Et super sécurisé, puisqu'il n'y a pas la route à côté, la route elle est là.
Bon, ça va. Du coup, ils peuvent se déplacer tranquillement. Et là, Lucie, elle cherche un gros bâton pour Lana. Ah, bah oui, il est mieux celui-là. Parce que l'autre, elle était un peu basse. Oui, merci. C'est rien. Voilà. C'est bon, moi, j'ai envie de trouver. Passion bâton. Ah, bah non, c'est jamais les mêmes. Mais les tu mieux. Sais, Lana, chaque bâton est unique. C'est comme les enfants. C'est pareil. Non, je veux pas, je mets déjà. Elle est en train de te dire qu'on va aller à Hawaï ? Oui, on va aller à Hawaï. Qu'est-ce qu'on va voir à Hawaï, Lana ? On va voir des grosses tortues ? Caché. Attention, ils arrivent bientôt. Bah, je sais pas, ils sont pas avec vous ? Mais si, bah, aux toilettes. C'est pas vrai. Bah, ils sont où ? Oh, bah, ils sont où ? Bah, je sais pas. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, on y va, hein. Bah, c'est vous qui les avez perdus. C'est pas grave, on y va quand même. Oh, ah, bah, ils étaient là. Ils étaient là, les enfants. Qu'est-ce qu'il y a, Lana? T'as vu, c'est une biche. Enfant, oui. Un fan, une biche. T'as vu? Il nous regarde. Oh, je... Bah non, je sais pas, chérie. Allez. Oh. Maman. Je pense que c'est plutôt une biche, Lana, parce que ça a pas l'air d'être un bébé. C'est la maman de... C'est comme la maman de Bambi. De Bambi. Et il est où, sa fille? C'est pas mon chat. Alors là, on longe la rivière. Une jolie cascade, là. T'as vu Benjamin la cascade? C'est bon signe. Ça veut dire qu'on se rapproche. Alors là, les gros blocs là, ils sont tombés de là-haut. Ils ont fait fou, boum, en plein milieu de la rivière. Il y en a plusieurs. Ça doit faire un sacré grain, sacré bruit quand ça tombe. Surtout de si haut. Tu tiens ton ventre bébé. Ah bah, tant que ça te fait marcher. C'est bien. Allez, on continue. Yeah. On va voir le joli lac. Lana est dans un état. Je crois que je l'ai jamais vu aussi sale. C'est horrible. Elle a du noir de partout. Quel courage qu'il a. Hop. Je pense qu'on est bientôt arrivé. Là, il y a une petite partie où les gens se baignent. Pas de bêtises. Ça, là, c'est le Alfdom. On est juste au pied. Voilà, on va continuer encore un petit peu. Et on va voir le Mirror Lake. Donc là, on est vraiment au pied du Alfdom. Ça commence à être vraiment Mirror, Mirror, Mirror. Trop beau. On a trouvé des petits tas de pierres. On sait pas trop ce que c'est, pourquoi c'est là. Oui, mon chat. Non, Lana, attention, chérie. Mais c'est où ? C'est vraiment curieux, ce truc. Tu fais attention, regarde, marche là où il n'y a pas de pierre. Il y en a, ils tiennent vraiment par miracle, c'est incroyable. Là, il y a un bout de bois, quoi. Il veut mettre sa petite participation, petite contribution. Il a fait de zéro. Bravo, mon chou. Oui. Mais n'importe quoi. C'est beaucoup trop gros. T'es fou. Ça tient drap. Ouais, non, papa, en fait, il fait pas n'importe quoi. T'es trop fort. Oh, il est pas ingénieur pour rien, faut bien que ça serve les 5 ans d'études. Hein. Papa, tiens. Un peu lourde celle-là, chérie, je pense pas que ça tienne, ma puce.
Ouais. Ah non, je croyais que t'avais mis. Concentration. Est-ce que ça va tenir? Oui. 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 C'est l'air bon là, non? Ouais. Ça tient. Lâche. Ouais. Chapeau. On a bien profité, on a fait des petites photos des petits boubous, je vous ai aperçu. Et on va retourner à la voiture. Oh, ils sont plus trop cute ces deux-là. Regarde, chérie. Regarde ce que je sais faire. Sortir une arme en sort. Tu sautes comme un kangourou. Chapeau. Maman. Après, tu le redonnes à ta maman. Ça va pas dans vos têtes, hein? Tu rigoles? Regarde tous les arbres! Tous les arbres, c'est des coins potentiels, hein, Lucie? Et là, on a le choix hein, au niveau des pins. Aïe, 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 il y a des milliers de coins là! Tout dans Yosemite, il y a cette petite navette hybride gratuite qui vous évite de bouger la voiture à chaque fois. C'est pas trop mal. Donc là, on retourne à la voiture et on va prendre la route pour aller à Glacier Point qui est à peu près une heure d'ici. Et on va aller dîner sous un coucher de soleil à Glacier Point. Je pense que ça va être absolument divin. Et ils sont toujours autant excités là. J'espère qu'ils vont dormir dans la voiture. Ah, c'est bon, Tisha? Oui, c'est bon les bibis. Hein. Bah oui, c'est bon les bibis. Hein. Allez, écoute. Alors, nous sommes vers là. Enfin, nous étions là. On va aller là. Donc, c'est tout petit, sauf que c'est un trail très raide de 4 miles qui prend 2-3 heures. Donc, avec les enfants, autant vous dire que c'est mort. 5 heures bah. Donc là, on doit faire tout ça pour aller là. On espère arriver avant le coucher du soleil parce qu'il y a des bouchons de malades. Mais ça va le faire. Et on a un bébé qui est tout content. Parce qu'il a fini de manger. Beauté ça. Je les ai tous laissés en plan. Profiter d'y aller. Pas avoir. C'est un peu une course contre le soleil parce que là ça va descendre très vite. Je voulais avoir une photo quand c'est bien éclairé. Allez, je suis à Glacier Point. Ça c'est le Half Dome. Là il y a deux cascades. C'est trop beau. Voilà. Right time and the right place. And for a couple of reasons. One, of course, I'm going to do a program. But second of all, I think this is the best place in the park, maybe in the world, that you can drive to and get to watch a sunset here of Yosemite National Park. So from that peak. Everything else you see looking off to the east is also inside Yosemite. You can imagine drawing that line as a radius off to the west, even further to the north and to the south. And that ridge you see way off in the distance is the Buena Vista crest, and that marks the southern boundary of Yosemite. So just to give you an idea of the size of Yosemite,
750,000 acres, roughly the high above sea levels. We're standing right here at Glacier Point. And in front of them is another smaller valley with some domes in it. That is Little Yosemite Valley. The two domes just to the right of Half Dome are Mount Broderick and Liberty Cap. And they're not 2,000 feet above Glacier Point. They can see a bird and tell what species it is, or if it's another peregrine, they can tell what. Pas avoir le vertige. Hein. Bon ben voilà, on a fait le coucher de soleil à Glacier Point sur le Half Dome, c'était trop beau, c'était absolument magnifique. Et maintenant pique-nique. Il est quelle heure Julien? 43. De 20h? Ouais bon il est 21h moins le quart. 21h moins le quart. Oh 21h moins le quart. Et voilà, c'était trop beau, je suis trop contente. J'attendais de le faire depuis trop longtemps. Je suis ravie. C'est clairement pour moi le plus beau point de vue de Yosemite quoi. Voilà, magnificence de la vie. Il y a les chutes là, vous avez vu normalement dans le dernier accéléré. Benjamin? T'es bien là? Il y a pire comme vie, non? Bon appétit! Quatre. Pas une de plus. C'est beau, là, cette ombre chinoise. C'est pas trop mal, là, pour le pique-nique, non? Vous êtes trop mignons. Je vous bouffe, hein? C'est vous que je vais bouffer? Ah, si! J'ai envie de viande. Il n'y a plus de jambon, on est obligé de manger les enfants. Allez, on y va. On dit bye bye le Half Dome. On s'en va parce que là on dirait qu'il fait encore jour, mais en vrai il fait vraiment presque nuit. Mais vraiment. Du coup on y va avant qu'il fasse nuit noire parce qu'on verra plus le chemin. Bah ils sont derrière, maman, regarde. Tout là-bas. Allez zou. Il est 21h. 21h combien? 19. On en a pour 3h04. Donc on va arriver à minuit 22 à l'hôtel. Tout va bien. Je suis fatiguée de manger une sucette. Toi t'es fatiguée, tu manges une sucette? Oui, c'est vachement lié, oui. Alors, il est minuit 18. On n'en peut plus. On est mort. Je crois qu'on a fait plus de 7 heures de bagnole dans la journée. Ça pique les yeux. On est décédé. Allez. On va se laver et on va faire un gros dodo. On a passé une très bonne journée, c'était magnifique. Mais là, on n'en peut plus. On espère que le vlog, il vous a... À bien... Deux. Oui, ah pardon, pas raison. À deux. Bisous. À votre.